les amis, on espère que vous allez vraiment très 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 bien, Inch'Allah. Une nouvelle journée. Je vais partir chercher les filles à l'école, je vais les faire une petite surprise. Il y a une grande surprise pour moi, Cilia, aujourd'hui. Vous allez voir. En fait, c'était la commode de la dernière fois. Vu que c'était pas bon, elle était pas bien solide. Alors, j'ai commandé une autre encore mieux et plus belle. Plus grande, vous allez voir. Et il est pas au courant, Masmas. Et c'est pour ça, je vais partir les chercher d'abord. Je vais passer donner à manger à mes chiens. Ils sont devenus mes chiens. Les pauvres, je les aime beaucoup. Ils sont gentils. Maintenant, ils me reconnaissent. À peine je viens, j'arrive, ils viennent tous vers moi. Et ils sont trop, trop gentils, trop mignons. Je ramène pas grand-chose, franchement. Des fois, j'achète les boîtes là pour les chiens. C'est pas cher au Maroc. Des fois, je ramène le reste de ce qu'on a, la viande, tout ça, les plats qu'on a mangés. Le pain, ils aiment le pain, je mets avec l'eau. Je ramène l'eau, tout ça, et ils mangent très très bien. Ils mangent tout en deux secondes. Les croquettes, tout ça pour les chiens, ça va au Maroc, c'est pas cher tout ça. Et voilà, il y a Palestine là, il me regarde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est trop 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 mignonne. Mashallah. Bon, papa, Habib, il est pas là. Il est parti, il est en train de... Il court à droite, à gauche. Mais pour une bonne raison, Inch'Allah, bientôt on va partager avec vous tout ça. Inch'Allah, c'est une bonne nouvelle, une belle surprise. Et Inch'Allah que ça marche vraiment très très bien. On va partager avec vous ça dans pas longtemps. Alhamdulillah, et je vous souhaite à vous aussi, Inch'Allah, que vous réalisez tous vos rêves, que du bonheur pour vous aussi. Et voilà, allez, il faut que je me dépêche pour chercher les filles. Oui. Voilà les moustiques. Oui, je les ai oui. Cherchés. Regardez ouais. Les cheveux de Kamkam, je l'envoie bien coiffe et bien ouais. Propre. Ce matin, en plus, j'ai crié, j'ai mal au cœur. Et là, quand je l'ai récupéré, j'ai dit, ah ouais, j'ai oublié, ils font les bêtises. Oh, ça va, Masma, c'est les mignonnes. Gentille. Elle aussi, elle est très gentille. Très mignonne. Juste, elle n'a pas encore... Juste handicapée. Juste, elle est encore petite. Elle n'a pas encore le cerveau. Mais elle est très gentille. Il y a un monsieur qui nous suit. Regardez. Ah, ils sont arrivés. Ils ont mis la voiture. Ils sont mignons. Je vais les donner à manger. Et là, ferme Kamkam. Je vais chercher l'eau. Hop, c'est parti. Bon, les amis, la surprise de Masmas. Pas de chance. Non, c'est pas grave. En fait, ils ont ramené la commande, tout ça. Mais oh. Masmas, il l'a vu. Je l'ai montré. Je lui ai montré c'est quoi le défaut. Oh. Pareil, ça bouge. Ça bouge le miroir, il l'a vu. Il était belle. Mais c'est pas qualité. Alors, sur la photo, on dirait que c'est de la qualité. Mais en vrai, c'est pas la qualité. Et du coup, on va la faire faire par une personne qu'on connaît, qui fabrique bien les meubles, tout ça, avec des vrais bois, des vraies choses au moins. Il a un truc sûr qu'il va garder longtemps. Ah, Masmas. Ouais. Parce qu'une commode comme ça, tu vas la garder combien? Même pas un an. Juste une semaine. Mais papa et maman, ils ont promis quelque chose et ils le font. C'est vrai ou faux? Tu vois, vrai. Si c'est ma sucette. Hein. Ah ouais? Je veux goûter. Bon les amis, moi je viens de rentrer à l'instant et maman elle vient de me dire pour le bureau de Masmas. Franchement c'est vraiment pas de chance, hein ma chérie? Ouais. Vraiment vraiment pas de chance. Ça fait le deuxième bureau qu'on lui prend, que maman lui prend et ça va pas. Ben c'est pas grave. Je lui ai dit à Masmas, je lui ai dit je vais t'en trouver un, Inch'Allah. Même pas, je vais le faire faire, on va le faire faire par un menuisier. Ouais, comme ça il sera sur mesure tout ça. Et nous ce matin avec maman, on est parti à Kitea. On avait un meuble à chaussures. Ça c'est rien qu'une partie. Rien que les chaussures de maman le remplissaient. Alors, il a fallu en acheter un deuxième et voilà, on les a collés et franchement, ça rend super bien. Ouais. Ça rend très 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 bien. Et maman, elle a mis les décorations que Tata Lise a ramenées d'Action, France. Ouais, de France. Et là aussi,
Regardez, alors elle met les décorations, mais elle laisse les étiquettes. Regardez ça. C'est n'importe quoi, mais bon. On va rien dire. Je sais pas où elle est, la maman, mais... Qu'est-ce que t'as dit? Ah, elle fait la prière. Elle est en train de faire la prière. Ah, tu l'as vu? Ah, là aussi. Là aussi, regardez, regardez. En fait, elle le met un temps, après elle le prend et elle le revend. C'est ça qu'elle fait, maman. Je rigole. je rigole, les amis. En fait, je pars pour chercher le ciseau. J'ai trouvé, il était dans la vaisselle. Et t'as vu ça, c'est une lampe. J'ai pas vu ça. T'as même pas vu? Il faut mettre des piles et ça fait lampe ambiance. J'ai pensé que c'était pour le travail. Non, c'est pas de sa faute. Ouais, il a failli y avoir un accident en direct. Oh là là. Enfin voilà, mais en tout cas moi je trouve que ça rend vraiment bien les deux meubles, les deux meubles à chaussures, ouais. C'est une bonne idée. Ouais, il faut enlever le plastique, là il y a le plastique qui protège. Bah là il y a tes chaussures, il y a tes baskets, il y a les baskets. Ouais, là il y a mes chaussures. Voilà, comme ça chacun a son armoire. Il faut un pour Mosmos et un pour Kaukau. Bon, sinon les amis, Kamkam, elle est là en train de dessiner. On était en train de faire un scénario, on a fait un petit scénario aujourd'hui. Et voilà, on vous dira pas ce que c'est. Non, elle allait vous montrer, Kamkam. On vous dira pas ce que c'est. Vous allez voir ça tout le long de la semaine sur la chaîne Massilia Papa. Ouais. Pour ceux qui peuvent se douter un petit peu. T'as rien fait du tout, c'est Mosmos qui l'a faite. Ah ouais. Mosmos, elle en a fait une, mais ouais, c'est différent. Ah, t'as fait une BD. C'est pas mal, hein. Ils sont où les textes? Là, c'est pas encore écrit. Regarde, je te montre. Bien écrire. Je te montre. Kamkam. Parce que là, il est dans sa maison. Il y a une tempête de. Et elle est où la maison? Non. Il n'y a pas de maison. Non, parce qu'il y a une tempête et sa maison, elle s'est envolée. Donc après, il a marché. Il n'a pas vu le trou. Il est tombé dedans. Il y a une balle dure qui voulait lui monter dedans. Il a sauté. Il est monté à l'échelle. Et d'un coup, parce que là, il y a eu une tempête de neige. D'accord, tu nous l'as déjà et dit. Là, et là non, là, c'était une tempête de. Une vraie. Là, c'était une tempête. C'est trop long ton histoire, mon chéri. Là, c'était une tempête voilà. Où les arbres sont partis. D'accord, et. Alors là, elle est tombée dans le trou. Il y a une échelle, il remonte dans le trou. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que regardez, là... elle aussi, elle veut connaître l'histoire de. de Kamkam. Ah ouais, et. Après, là, il y a des orages qui sont sortis. Ouais, il y a le soleil quand même. Là aussi, c'est tempête, mais il y a le soleil. Mais là, il est triste parce que le soleil, il part. Ah ouais, c'est vrai, le soleil, il est triste. Parce qu'il part. D'accord. Et toi aussi, tu vas écouter. Allez, viens, mon bébé. Et après, là, il fait quoi? Il joue? Et non, après parce que il est dans un sable. Parce que après, je vais colorier là, le sable. Là, c'est la mer. Non, là, c'est la mer et là, c'est le sable. Et ici, il a retrouvé son endroit où il y avait ses parents morts. D'accord, bah ton histoire elle est longue, elle est un peu, ouais. elle est un peu étrange. Mais il mange quoi, ça? Il mange des feuilles, il se purge, je sais pas ce qu'il fait. Sinon les amis, j'avais annoncé un swap, il nous manque le papier cadeau, donc on l'a pas encore emballé avec maman. Mais oui, le swap pour vous. Alors il faut qu'on achète du papier cadeau. Swap pour Mosmos et pour Kamkam. Voilà. Eh oui. Alors, il nous manque que ça aussi pour vous prévenir parce que je l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas, ça arrive les amis. Et je vous annonce ici que demain, là, cette vidéo, elle sort le dimanche. Si vous la voyez plus tard, ben ça, c'est pas de ma faute parce que vous pourrez la voir, même dans un an, vous pourrez encore la regarder, cette vidéo-là. Mais là, on sera dimanche 16 décembre. À partir de lundi, il y aura une vidéo tous les jours pendant une semaine sur la chaîne Massilia Papa parce qu'elles vont faire le une semaine punie. Pour ceux qui savent, ceux qui ont suivi les scénarios, tout ça, les filles, elles m'ont enfermé dans la prison pendant 24 heures, tout ça, elles n'ont pas été gentilles avec moi. Donc, je vais les punir pendant une semaine. Ouais. Dans la poussette, le pauvre chat. Donc. Une semaine punie, les amis, c'est à partir de lundi, ce lundi, là, 17 décembre, si je dis pas de bêtises, ou 16 décembre, il me semble, on est le 15, il me semble. Bref, voilà, une semaine punie, vous êtes prévenus, une vidéo chaque jour de la semaine. Pendant une semaine,
une punition. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Les vidéos, elles vont être bien. Et les filles, elles sont pas prêtes. Vous allez voir tout ce qu'elles font. C'est ça d'être méchante avec leur papa. Bon, enfin, voilà les amis. Okay. Les filles, c'est en train de regarder un petit dessin animé. Mais il faut jouer un petit peu. Les as de la jungle. Il faut profiter de jouer parce qu'une fois on dit au lit, ils vont manger au lit, ils vont dire ah, mais on n'a pas joué, on joue un petit peu. Non, 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 il faut jouer maintenant. Allez, on éteint la télé, ma chérie, on joue ensemble, vous jouez dans la chambre. Tant pis. Moi je suis en train de faire à manger. Arrête, arrête. Moi je suis en train de faire à manger tout ça pour les filles. Faire des pommes de terre au four. J'ouvre au milieu la pomme de terre et je mets du fromage, tout ce que vous voulez, tout ça. Et je vais la mettre dans le four, c'est trop trop bon. Avec du cumin, toujours le pomme de terre, qu'on met un petit peu de cumin, paprika, c'est très très bon. Voilà, je chauffe le four, ils vont manger, après ils vont partir, ils vont se brosser les dents, et se préparer et partir au lit. Hein. Alors les pommes de terre de ta femme, elles sont bonnes ? C'est vrai ? Dis la vérité. Non, très très bonne. De toute façon, il dit la vérité, si c'est pas bon, on va dire. Ah, ça c'est clair et net. Non, si, c'est très très bon. Il a aucun réchauffement. Voilà, mais je les ai pas laissés longtemps dans le four. Si, ça, c'est bon. Ça doré tout ça. Très très les bon. Les filles sont déjà au lit. Le bébé regarde Marseille. Il joue avec qui? Brighton, Coupe d'Europe. Ouais. Et tout à l'heure aussi, il avait un rendez-vous pour la carte de résidence. Ils ont donné le Russie. Ouais. Palestine se dispute avec elle-même parce qu'il se voit. Elle se voit dans le miroir. Ouais. Dans la vitre. Depuis tout à l'heure, il fait la guerre. Regardez. Ben voilà.